Regardez ma salle de bain, elle est en bordel, mes bébés. Alors, tout rangé, tout rangé, c'est tout sale. Là, je vous explique, il y a encore tous ces cartons à ranger. Et là, en fait, vous voyez, dans ma chambre, il y a un dressing, mais déjà dans les penderies. J'ai plus de place. Je vous montre. Hein. Bon, là, il reste de la place. Regardez. J'ai plus de place. Là, c'est le penderie à la mise en jean. Là, c'est penderie. Il y a encore 1, 2, 3, 4 cartons de vêtements à faire entrer ici. Bref, le salon, ça avance. Voilà, je vous montre. Bon, encore des cartons. Hein. Et regardez mon jardin. Ça a bien avancé. C'est pas trop beau. Bref, bonjour mon petit bébé, j'espère que ça va. Ma première nuit dans la maison, bah, c'est trop bien passé, j'ai trop bien dormi. En plus, j'ai fait un rêve magnifique. J'ai rêvé que genre j'étais avec des gens qui allaient à la Mecque, je vous jure. Hein? T'as dit quoi? Rien. C'est la bouffonne de Charlie, je peux plus me l'avoir. Bref. Après, je me réveille. Je vois pas, je suis en sang ici. Ma cicatrice elle s'est rouverte, donc je me suis mise à pleurer en larmes. Du coup, j'ai envoyé la photo à mon chirurgien, je le vois à 18h. Bref, aujourd'hui on va finir les cartons. Voilà, c'est pas fini. Et aujourd'hui je vais tout finir. Je veux que ma maison elle soit bien. Moi je peux pas vivre pendant des jours dans les cartons, ça n'existe pas. Et je vous jure, je connais des gens, ils vivent pendant des semaines avec les cartons. Moi, je... Bref, là, je me cache parce que j'ai mis un haut. En vrai, il est comme ça, bon, on sait rien. Mais il va aller m'insulter. Et mes affaires, ils sont encore dans les cartons. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc là, aujourd'hui, j'ai fait venir 4 femmes de ménage. Elles arrivent là pour finir. Et en fait, moi, ma mère, Romana et moi, on va finir... les cartons de ma chambre et tout, ma chambre, parce que ça, je veux pas que ce soit des femmes de ménage que je connais pas qui touchent. Et le reste, ben, ce sera les autres femmes de ménage. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, vous m'avez insulté parce que je suis sortie hier soir. Je comprends pas. J'avais besoin de décompresser, en fait. Vous comprenez pas? Je vais faire quoi? Je vais rester dans la maison. En fait, vous marcelez parce que je sors, parce que je vis. Vous vous rendez compte, vous êtes malade, malade, malade. Je fais ce que je veux. J'ai 25 ans. J'avais besoin de décompresser. Je fais ce que je veux. Je comprends pas. Je comprends pas. Vous allez me dicter ma vie. Je vous jure que j'arrive pas à comprendre. Après, oui, je vais sortir comme avant. On sortait souvent. J'ai le droit de décompresser. Bref, je suis trop énervée. Allez, je vais continuer les cartons. Cicatrice est ouverte. Je n'ai pas le droit de trop parler. Bref, voilà. Coucou mon bébé, vous kiffez votre nouvelle maison? Je sais pas. Voilà. Voilà. Toutes les boîtes. Clean, après aspiration. Ok? Parce que aspiration. Oh, clean, tout clean. Après aspiration. Après, on dit en anglais, c'est à serpillère. 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 Après, j'ai le pistolet là. Oh, depuis tout à l'heure, j'ai un fou rire, mes bébés, et je tiens ma lèvre pour pas élargir ma cicatrice. Fouk, fouk, fouk. Par contre, je n'ai pas compris ce qu'elle a fait là, ma mère. Je vais jeter tout ça, je n'aime pas les bibelots. Je vous explique, mes bébés, il y a toujours ma mère en bas. Elle gère en bas et là, je suis montée en haut, gérer les cartons. La chambre, ça prend forme, mes bébés. Mais c'est pas fini. Regardez, il reste encore des cartons. Et les armoires, ils sont remplis. Voilà. Là, Badel. Voilà, Mama on jette les cartons vite.
Ça y est, ça avance. Ok. Romana, là, avec ses copines, elle dit. Romana. Romana. Ouais, moi, je m'en aime. Maïva. J'aime trop Romana. Romana, Romana, what is my name? Maïva. Maïva comment? Guéna. Oh! Duvida! Hello! Comment ça va? Très bien, et toi? Morte. Dis oh, ok. Oh, voilà, machallah. Quoi? Il m'a dit je peux pas percer parce qu'il y a les canalisations d'eau. Eh ben, je trouve des solutions à ce problème. Comme ça, je mets tous les produits d'entretien ici. Viens m'aider, toi. McDo est arrivé. Romana. Ah. Dis Zebbi. Hein? Zebbi. Ah. Tel. Tel Zebbi. B. Tel. B. Zebbi. C'est B. C'est beau. Non, tel Zebbi. Tel Zebbi? Zebbi. Zebbi. Alors, je peux dire Zebbi? Zebbi. Zebbi. Ma fille, elle se termine. Elle m'a traité quelqu'un de semaine d'avance. Bref, je vous explique. Là, je suis trop énervée. Mais vraiment. Là, je vais chez mon chirurgien. Là, ma cicatrice, je suis énervée, je suis fatiguée. Je suis pas finie, j'ai l'impression. Jamais, le gars m'emmène, je n'ai même pas la force de conduire, j'ai plus d'énergie et j'ai les nerfs pour ma cicatrice. Je me calme. Là, je vous jure, je suis vraiment pas bien, je vous explique. C'est quand je l'ai vu la dernière fois, Marie. Il y a 4 jours, je l'ai vu. Et la cicatrice, j'avais même plus de croûte, j'avais rien. Elle était trop belle, l'opération était trop bien réussie et tout. Et là, en fait, ça s'est réouvert. Et il m'a dit d'arrêter de parler. Et il m'a dit, parce que sinon, en fait, si ça se réouvre, en gros, je vais avoir une cicatrice que je vais garder à vie. J'ai trop peur de ça, je vous jure, j'étais vraiment complexée par ma cicatrice. J'étais trop contente qu'elle soit partie. Ça fait là, je vous jure, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Là, quand je parle, je m'enlève parce que j'ai peur que ça se réouvre. J'en peux plus, je vous jure. J'ai l'impression que c'est un cauchemar. J'ai pas envie de me retrouver avec une cicatrice en plein milieu du visage. Et bref, j'ai pas le droit de forcer sur ma lèvre parce que ma lèvre du haut, elle est trop lourde. Vous savez pourquoi je pleure, pourquoi je vois bien, pourquoi j'ai le seum? Parce que... Comme je suis allée il y a 5 jours, ben, l'opération elle était réussie, j'avais plus de croûte, j'avais plus rien. Je me suis dit ça y est, c'est fini, ça va être derrière moi. Et là en fait, c'est revenu. Et genre, si jamais la cicatrice elle revient, j'aurai une cicatrice à vie au milieu du visage. J'ai pas envie, j'ai trop peur de ça. Donc là il m'a dit, je retourne le voir dans 2 jours. Et il faut que je fasse pas d'efforts, faut pas que je parle. Mais je me sens horrible, j'ai une croûte en plein milieu du visage, j'en peux plus de cette croûte, je vous jure, j'en peux plus, j'en ai marre. Bref, je vais me calmer. Et je vais écouter ce qu'il m'a dit. Là, il m'a dit que. Il m'a dit de plus parler. Il m'a dit de rester au repos, de plus bouger. Et je vous jure, cette cicatrice, elle me traumatise. Elle me traumatise. Il faut que j'arrête de parler aussi, mais ce soir, genre, il faut que je tienne ma lèvre, quoi que ça ou la cicatrice, là, il faut absolument que je me calme. Je jure, j'arrive pas à me calmer, j'ai les nerfs, je peux pleurer. Bref, là, ça commence à avancer, mais c'est pas fini, même là, j'en peux plus, il y a le mec d'internet qui arrive et tout. Ma salle de bain, regardez, ça fait trop moche. Faut que je trouve une solution, parce que j'ai trop d'affaires. Regardez, dans ma chambre... j'ai fait mettre des étagères là pour poser des affaires parce que j'ai vraiment trop d'affaires. Là, j'ai mis tous mes parfums et tout. Là, le problème, c'est qu'il reste encore plein de vêtements. Regardez, j'ai fait des étagères de partout, mes bébés, parce que je sais plus où ranger. Dans les placards, j'ai presque plus de place.
Et il reste tout ça. Ça, c'est mes affaires de cheveux. Voilà. Tout ça rangé dans ma chambre. Je vais mourir, il y a encore des affaires à moi, là. Qui vont dans ma chambre, j'ai plus de place. Voilà, là, il y a le mec d'internet. Marie, elle est en train de gérer. Ici, regardez, on est toujours en train de ranger. C'est pas fini. Voilà. Là, j'ai toutes mes boîtes. Regardez, je les ai toutes gardées. Mes bébés, je suis éclatée. Vraiment, mes cheveux, ils sont pourris et tout. Bref, là, ma journée, elle n'est pas terminée. Je vais aller mettre de la cam et tout. Et puis, je vais continuer à ranger et à faire le ménage et tout ça. Là, les trois femmes de ménage que j'ai prises, elles sont parties. Et elles reviennent demain matin, mais en fait je peux pas dormir, je peux pas être tranquille dans ma tête tant que ma maison elle est pas propre, tant que c'est pas tout rangé et tout. Ah non, c'est pas possible, c'est pas possible, je vais me tuer. Là, il y a le gardien qui vient d'appeler Marie, le gardien de la résidence, en disant que Pitch, il était dehors. L'internet, ce fils de... Aïe, je vais mal parler. Il a laissé la porte de la maison ouverte. Donc là, il y a Dior, Pitch. C'est bon, il est où? Il manque Hermès. Aïe, c'est pas possible d'être mongolien. Comment vous voulez pas que je m'énerve? Il est où Hermès? Ils sont là les chiens. Il a laissé ouvert le mec d'internet. Ouais, je reste en bas. En fait, il m'a dit choisis comment on appelle le réseau. J'ai marqué Maïva la boss. Je vous explique, mes bébés. Là, je suis pas bien. Parce que déjà, là, je me sens toute crade. J'ai chaud, je suis pourrie. Oh là là, c'est. Bref. Je tiens à l'aise pour parler. Hein. En fait, tout le monde me dit 9h20. J'arrive pas à reparler. J'arrive pas, j'ai la boco. Bref, moi j'ai un problème, c'est que je suis trop maniaque, mais maniaque de la maladie maniaco-dépressive. Ça veut dire que je suis quelqu'un, je ne peux pas dormir, genre je sais pas comment vous expliquer, je peux pas avoir l'esprit tranquille si ma maison elle est pas propre. Moi, quand j'ouvre mon dressing, il faut que ça sente la lessive. J'ouvre mon linge, il faut qu'il sente bon, qu'il soit toujours. Toujours avec de la soupline, genre que ma maison elle soit tout le temps clean et tout, sinon je suis pas bien dans mon esprit. Et là en fait, les femmes de ménage là que j'ai prises cet après-midi, elles devaient partir, elles n'ont pas le droit de travailler le soir. Donc du coup, j'ai demandé à Romana si elle avait pas des copines à elle ou quoi pour venir faire le ménage. Et du coup, elle m'a dit que non. Bref, elle revient demain matin. Dans tous les cas, je vais refaire un gros ménage. Et là, du coup, ben, j'ai pas le choix, je vais le faire moi. On a presque tout fini les cartons. Mais je vais aspirer, je vais frotter et tout. Sinon, je vais pas être tranquille dans ma tête. Vous comprenez? Genre, je vous jure, je suis maniaco-dépressive. Mais la vraie maladie. C'est-à-dire que moi, je peux pas dormir dans un lit qui est pas fait. Genre, mon lit, il faut qu'il soit fait tous les jours. Les draps, ils soient propres. Vous savez, je change les draps tous les jours. S'il y a une petite tache, Romana me les change. Je déteste la saleté. Et voilà. Et là, elles ont nettoyé et tout. Mais genre, comme il y a eu encore des cartons et tout, c'est encore le bordel. Donc, je vais faire ce manuel nettoyer. Hein. Je ne pourrais pas dormir sinon. Regardez l'état de mes cheveux. Ils sont tout gras. Je les laverai demain. Bref, allez, je vais continuer de ranger. Ma chambre, elle est bientôt finie. On a mis 2 jours à faire ma chambre, vous imaginez. Elle n'est toujours pas finie. Il est 19h là, Dubaï. It's okay for Wi-Fi? Ma technique pour les cartons. Allez, je fais quoi? Voilà, je vérifie qu'il y a des gants en bas. Et hop là, je jette. Et après, je récupère. Non, ça y est, ma chambre c'est terminé, mais il ne reste plus que le tri à faire. Voilà, tout est propre. Il n'y a plus de carton, mes bébés. Bon, là, c'est du linge sale. Mais sinon, plus de carton. Ça y est.
Mes bébés, je me pose enfin la vérité. Je suis épuisée, mais bon, je suis contente. Je suis contente parce que j'ai bien avancé. Là, ça y est, j'ai plus de carton, tout est vide. Demain, j'ai juste mon tri à faire et grand ménage. Et mon déménagement, ce sera fini. Franchement, c'est dur de déménager. Encore, je vous dis la vérité, j'ai de la chance que j'ai des personnes qui m'aident et tout. Mais franchement, ceux qui le font tout seul et tout, ben, force à vous. Zouïda. Zouïda, ce soir, sort. Ouais. Moi, je pensais hier, vraiment, j'ai plus d'énergie. Je voulais faire une pièce, mais on n'a pas eu le temps, la pauvre. Moi, la vérité, mes bébés, j'ai plus d'énergie. J'ai toujours peur pour ma cicatrice, mais là, je suis redescendue, je me suis calmée. Je tiens ma lèvre quand je parle, je crois que ça s'ouvre. Bref, je suis en train de me rendre compte que, en fait, j'ai trop d'affaires, j'ai trop de produits. Et en fait, je pensais pas que j'en avais autant, parce que dans mon ancienne maison, j'avais vraiment de la place. Et ici, bah, je me rends compte que... Ici, on me rend compte que, en fait, ben, j'ai trop d'affaires et pas assez de place. Du coup, dans ma maison que j'ai achetée, c'est déjà prévu. Genre, j'ai vraiment mis beaucoup de rangements. Genre, dans la salle de bain, beaucoup, beaucoup de rangements. Même dans toute la maison, j'ai mis du rangement parce que je sais que j'ai beaucoup d'affaires. Maintenant, il faut que je fasse un tri. Mais vous imaginez, ça fait quoi? Ça fait 3 ans que je vis à Dubaï. Moi, quand je suis venue m'installer à Dubaï, genre, je suis venue avec 10 valises, mais c'était des vêtements... C'était tous mes vêtements, mes chaussures, mes sacs à main et genre les crèmes et tout que j'utilisais, ok? Et en fait, ben, je me rends compte que ben, en 3 ans, j'ai acheté énormément de choses. Et là, c'est trop. Là, il faut que je fasse le tri. Là, c'est une pharmacie. Avant, c'était dans mon dressing. Là, ça rentre pas. Même pas mes habits, ils rentrent dans le dressing. J'ai une pharmacie. Demain, vous savez ce que je vais faire? Je vais tout mettre dans des cartons et je vais donner à mes copines et aux gens dans le besoin. Franchement, on m'avait tous dit fais un Vinted. Et... On peut pas. On m'avait tous dit non. Oui, fais un Vinted. Alors déjà, je n'ai pas la force. Marie, encore moins. Voilà, on fait pas de Vinted. Non, je vais donner aux gens dans le besoin. Voilà, je vais donner. Franchement, je ne peux pas m'occuper de faire un Vinted. Même Marie, je crois que si je lui annonce ça, elle perd ses cheveux. Déjà, mais on peut pas envoyer d'ici. Oui, on l'avait fait en France parce que c'était possible, mais là. Non. Je vais donner. Je vais voir si je peux même vous donner à vous, vous m'envoyez votre adresse, vous envoyez des cartons et tout. Je vais voir parce que je pense que je vais beaucoup donner, je vais beaucoup trier. Vous avez vu, ma mère, elle aime trop garder les choses. Moi, j'aime pas. Voilà. J'aime pas. Et quand je fais du tri, je fais un vrai tri. Je me débarrasse vraiment de tout ce dont j'ai besoin. Sauf qu'en fait, j'ai la flemme de faire ce tri. Mais une fois que je le fais, j'arrive à me débarrasser de mes affaires. Moi, j'aime pas garder les choses. J'aime pas les bibelots et tout. Demain, je vous explique, j'enlève tous les bibelots. Tout. Demain, je m'occupe de tout. De quoi? En fait, je vais faire un vide dressing, mais sur mon Snap, pas sur mon tête, parce que c'est pas possible. Donc, si vous voulez un truc, vous me dites, vous répondez à la story. Voilà, si vous êtes à Dubaï, vous pouvez passer récupérer mes affaires. Voilà. Mais par contre, il y a des meufs que je vais vendre. Déjà, ma table était trop belle, ma table blanche. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? J'ai pas à manger chez moi, je peux manger ce soir. Le frigo, il est vide. Faut aussi que j'aille faire les courses. Mais j'habite à 5 minutes de Carrefour. Donc je pense que je vais y aller demain. En plus, ça ferme tard. Ah, j'ai mis mon ongle dans la cicatrice. Oh non. C'est pas possible. Regardez. C'est pas possible. Et je dois pas parler, mais j'arrive pas. J'ai trop la boco. Moi, j'ai des phases. Soit j'ai trop la boco, soit j'ai pas du tout la boco. Et là, je suis en phase boco. Quand je suis fatiguée, j'ai la boco. Je vais aller voir ce que ma mère, elle fait. Maman, tu veux quoi? Que je me tienne à l'aise tout le temps. Hein? Elle m'a dit, je fais bibi. Oh. Ça fait du bien. Hein. Elle allume la cheminée, mais je vais l'enlever la cheminée. J'aime pas du tout. Ah, c'est propre et tout. Mais bon, demain, quand même, gros ménage. Je vous montre. Mon frigo, il n'y a rien à manger. Rien du tout. Ouais, de l'eau, des actimels, du coca, de la crème fraîche. J'allais faire les courses. Y'a rien. Et sinon, la cuisine, elle est faite. Voilà. Oh non, mes bébés, j'ai Romana. Oh, c'est votre nouvelle maison. Je les calcule pas trop. J'ai pas le temps.